Bonjour, ici Bazar Bricole Tout. Aujourd'hui, présentation, démonstration du nettoyeur vapeur de chez Combi Plus, des établissements Cabrelli. Ici, en test le Ouragan. Et il existe le Force 5 que j'ai aussi et qui est à la maison. Donc, j'ai pris une brosse transparente. C'est pas celle qui est livrée avec l'appareil parce que celle-là, c'est une brosse qui était sur mon Eco-Industrie. Et je vais vous montrer ce que ça donne, un siège qui paraît pas trop sale, mais en fait c'est une vraie cochonnerie. Alors pour cela, j'ai trois boutons, vapeur, aspirateur, shampoing. Je vais envoyer le shampoing et de la vapeur. Je coupe le shampoing, je renvoie encore un peu de vapeur pour enlever le surplus de shampoing qui était en tuyau. Et maintenant, je vais passer à l'aspiration. Alors comme vous pouvez voir, la brosse, hein, cristal est propre. Nous allons voir maintenant le contact. On voit bien la saleté rentrer dans l'aspirateur. Je vais continuer le finir et je vous montre le résultat. Donc voilà le résultat. Plus de tâches. Il est revenu propre. Et j'ai fait que le siège. La preuve, c'est que là, j'ai encore rien fait. C'est tout crade. On voit les merdes. Maintenant, je vais m'attaquer au reste. Alors l'appareil qui a servi à faire le test, c'est celui-ci. L'Ouragan, voilà, et je vous montrerai la qualité de l'eau une fois avoir fait que le siège. Alors pour ceci, j'enlève le couvercle, hop, j'ouvre, s'il veut bien s'ouvrir, voilà, et voilà l'eau qu'on retire avoir fait une fois le siège. Voilà toute la saleté qui a été sur le siège. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer l'efficacité de cet appareil. Donc pour finir, cette machine, si elle vous intéresse, vous pouvez la trouver sur toutes les grandes foires, style toutes les foires de Rexpo, de foire de Paris. Moi c'était la foire d'automne à Grenoble. Voilà, toutes ces grandes foires dans des stands, tout ça, voilà. Sinon, si vous voulez pas mettre le prix qui est quand même bien élevé, faut pas s'attendre à moins de 2000 euros pour cet appareil, il vous reste plus que aller voir sur le bon coin. Sur le bon coin vous le payerez moins cher. Moi j'ai acheté le Force 5 sur un stand donc à Grenoble et je l'ai payé plein pot, et puis j'ai acheté donc l'Ouragan là que vous avez pu voir sur le bon coin pour 200 euros. Voilà, que je suis allé chercher sur Lyon. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.